D'après le dernier rapport de l'OCDE, seulement 17% d'entreprises dans le monde fabriquent leurs propres produits, que ce soit des gadgets technologiques, de tout ce qui est habillement, ou bien le transport, l'immobilier, seulement 17% fabriquent. Et que font les plus de 80%? Ils ne font qu'une seule chose, mettre sur pied un système qui permet aux 17% d'écouler leurs marchandises et leurs productions. Les amis, je vous veux très très attentif et surtout allumez votre cerveau pour ce que je vais vous dire. Une question pour vous. Facebook fabrique quoi? Google fabrique quoi? Amazon fabrique quoi? Uber fabrique quoi? Booking, Airbnb, est-ce qu'ils ont de l'immobilier? Non. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont mis sur pied un système qui permet aux autres de vendre leurs produits. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, en matière de business, tu peux commencer un business qui ne nécessite pas à ce que toi tu fabriques. Parce que c'est au moment où tu dois fabriquer, tu as besoin des matières premières, tu as besoin de la main d'œuvre, ainsi de suite, et de beaucoup de choses qui t'obligent à démarrer un business avec de l'argent. Parce que la matière première dont tu as besoin coûte. Mais aujourd'hui, comme vous venez de le constater, lorsqu'on a une autre matière première qui est plus importante que toutes ces matières premières dont Idriss Aberkane appelle de la connaissance, je vous assure que vous pouvez démarrer n'importe quel business basé sur ce que vous connaissez. Voilà pourquoi dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 business dont vous n'avez pas besoin de matière première. La seule matière première dont vous avez besoin, c'est ce que vous avez dans la tête. Les amis, vous avez compris donc qu'on peut commencer un business avec 0 francs. Je n'ai pas dit avec rien, parce que les gens ils confondent rien et 0 francs. 0 francs, c'est de l'argent. Donc, on parle en termes de quantité d'argent. Oui, vous pouvez commencer avec 0 francs en termes de quantité d'argent, mais avec quelque chose qui est plus important que l'argent, c'est ce que vous avez dans votre tête. Donc, les 4 business que je vais vous présenter vont se baser sur ça. Les 2 premiers vont être essentiellement basés sur les services et les 2 autres vont être basés sur tout ce qui est produit. Produit ou service, quand on a de la connaissance, on peut démarrer un business. Ces 4 business-là sont pratiques. Voilà pourquoi je vous invite de rester très très attentif parce que je vais vous démontrer cela et vous donner tout le plan d'action dans cette vidéo. Si vous venez de me découvrir, les amis, vous êtes bel et bien sûr Vivre et Réussir en Afrique. Moi, mon nom, c'est Justin Mortaudé et mon travail... Chaque jour, j'accompagne beaucoup de jeunes Africains à gagner énormément d'argent sur Internet en utilisant le marketing digital, en utilisant surtout de la connaissance parce que c'est de la connaissance et à partir de la connaissance qu'on peut gagner beaucoup d'argent. Mon mentor Idriss Aberkane le dit très souvent, lorsque Total va aller forer un puits à un moment ou à un autre, il va toucher le fond. Mais lorsque tu vas forer ta tête, il n'y a pas de fond. C'est-à-dire que si tu utilises ton esprit, il n'y a pas de limite de ce que tu peux gagner. Tout est dans ton esprit, tout est dans ta connaissance, tout est dans ce que tu connais. Donc les amis, aujourd'hui, nous utilisons notre matière première qu'on a, qui est la connaissance adossée à Internet. Donc si vous également, vous voulez faire partie des équipes, des personnes que je vais, parce que dans mon équipe quand même, modestie à part, aujourd'hui, j'ai plusieurs jeunes de l'équipe qui gagnent minimum 1 million de francs CFA par mois seulement en utilisant Internet. Donc si toi également, tu regardes ce genre de vidéos, je suis convaincu, je suis sûr que tu cherches toi également à développer tes capacités et également à bâtir un réseau un peu partout parce que c'est avec ces deux choses-là, mises ensemble, que tu vas gagner beaucoup d'argent. Donc, je suis sûr, tu es au bon endroit, ne quitte plus, abonne-toi, active les notifications parce que tu vas recevoir beaucoup de contenu de très haute facture qui vont t'aider toi également à grandir dans tes activités. Pour finir les amis, j'ai une information à vous donner, c'est un tambola que j'offre ici à tous mes abonnés. Je vous offre 3 destinations gratuitement. Pour mes prochaines conférences de l'année, parce que mes 3 grandes conférences de l'année, c'est à Bamako, à Dakar et à Dubaï. Pour cela, je vous offre cette destination gratuitement. Donc, si vous voulez participer à ce jeu, ceux qui veulent gagner une place, peu importe le pays, je vais payer le billet d'avion, votre déplacement et votre logement dans ces pays-là. À Bamako, écrivez tout simplement votre nom suivi de Bamako si vous voulez venir me rencontrer à Bamako pour tenter votre chance de gagner ces déplacements ou bien à Dakar. Donc, à Bamako, c'est le 27 juillet. Au CICB, donc la salle ou bien le centre, voilà, le centre international de conférence de Bamako, nous serons là-bas le 27 juillet de cette année 2024. Le 21, on sera à Dakar à l'hôtel Pullman, Teranga Pullman, le 21 juillet et le 28 décembre, ça va être
à Dubaï. Tout frais payés, visa, tout inclus. Donc, si vous voulez participer ou bien si vous voulez tout simplement tenter votre chance de décrocher une de ces destinations qui vous sera offerte gratuitement, tout frais payé, écrivez votre nom suivi de la destination. Donc, vous pouvez écrire votre nom suivi de Bamako ou bien votre nom suivi de Dakar ou bien votre nom suivi de Dubaï. Vous pouvez également faire les trois. Tentez votre chance également. Tout ça en commentaire sur la page YouTube. Uniquement YouTube. Sur la page YouTube. Les commentaires sur la page Facebook et autres ne comptent pas. C'est uniquement sur YouTube. Donc, si vous regardez cette vidéo à partir de Facebook, allez-y taper « Vivre et réussir en Afrique » sur YouTube et allez-y sur cette vidéo commenter. Tout ce que vous allez commenter sur Facebook ne compte pas. C'est seulement ce qui est sur YouTube qui compte. Parce que mon équipe va seulement faire le décompte et des partages qui sont seulement faits à partir de YouTube. Sur Facebook, ça compte plus. Sur Facebook, ça ne compte pas. Donc, les commentaires et les partages. Donc, deux choses, commenter et partager. Nous allons évaluer pour le nombre de partages et le nombre de commentaires et tirer les personnes qui vont bénéficier de ces trois destinations. Donc, ces trois places offertes, Bamako, Dakar et Dubaï. Les amis, on ferme cette parenthèse et on va revenir au sujet principal de cette vidéo où j'étais en train de vous donner quatre idées de business dont vous pouvez commencer avec zéro franc. On va commencer d'abord avec les produits. Les produits. Oui, les produits, peut-être vous allez vous dire que oui, Justin, les produits, si je veux me lancer dans un business, il va falloir que je fasse ça. Je vous donne une chose. D'après mes remarques, d'après tout ce que je sais, aujourd'hui, le domaine de l'habillement est un domaine où vous pouvez commencer avec zéro franc. Oui, écrivez habillement. Réfléchissez bien. Dans le domaine de l'habillement, c'est un domaine où vous pouvez commencer avec zéro franc. Pas besoin d'investissement. Vous avez besoin de la connaissance, oui, mais pas besoin d'investissement. Parce que ce que je vous dis, c'est ce que j'ai fait avec plusieurs jeunes. Nias Prestige, c'est une boutique qui se trouve, le cas du Sénégal, qui se trouve au marché HLM. Qu'est-ce que je fais? Moi, j'amène quelques jeunes qui veulent démarrer un business, mais qui n'ont pas d'argent. Je dis, ok. Et ce que je vous dis, vous pouvez le faire dans n'importe quelle autre ville africaine. Parce que c'est possible, je sais. Ce que je vous dis, faites-le et vous allez venir me donner tout simplement vos retours. On trouve une boutique parce que la plupart des couturiers produisent. Mais ils ne peuvent pas écouler. Je vous dis la vérité. La plupart des couturiers, ceux qui produisent en quantité, là, ils produisent, mais ils ne peuvent pas écouler. Vous avez vu ce que je vous ai dit en introduction, c'est la même chose. Quand je suis allé au marché HLM, je vois beaucoup qui ont beaucoup, beaucoup. Ils ont beaucoup de tuniques, les tuniques africaines là. Il y en a beaucoup, ils produisent à la chaîne, les couturiers, les tailleurs, ils sont là. Mais ça ne s'écoule pas. Donc, qu'est-ce que je suis venu? Quand j'ai observé ça, je suis allé là-bas, je les ai dit, écoutez, moi, je vais créer un partenariat avec vous. Parce que j'ai une dizaine de personnes qui maîtrisent les outils internet, les campagnes publicitaires de Facebook et puis voilà, tout ce qui est Google AdSense, ainsi de suite là. Eux, ils peuvent vous aider à vendre. Mais tout ce que nous, ils peuvent faire, c'est de vous aider à vendre. Eux, ils n'ont pas d'argent pour vos produits. Donc, qu'est-ce que vous faites? Si vous voulez, moi, je me mets comme garant, vous leur donnez chacun les tuniques, vous leur donnez 10, donc 10 modèles différents. Et puis, ce qu'ils font, le gars dit, oui, bon, 10, c'est beaucoup, mais bon, comme c'est toi qui te mets en garant, il n'y a pas de souci. On a pris des modèles, on est allé faire du shooting, faire vraiment, parce qu'eux, ils ne savent pas, ils ne connaissent même pas le marketing. Ils ont des produits, ils produisent, mais ils ne peuvent pas écouler. Donc, nous, on est allé faire du shooting avec les différents modèles, on a fait du shooting, et puis c'est tout. On est venu sur Facebook, campagne publicitaire. En moins de 3 jours, on a écoulé les 10. La plupart des jeunes que j'ai amenés, qui ont pris chacun des modèles différents, on a tous écoulé. Ces jeunes ont commencé avec quoi? Avec de la connaissance. Ils n'avaient pas besoin eux-mêmes de coudre les habits parce qu'ils ne savent pas coudre. Nous, on a besoin, on sait le marketing et on sait la vente. C'est tout ce qu'il nous faut. Donc, les amis, voici un business. Et ce que je suis en train de vous dire, j'ai dit la même chose à certains de mes jeunes qui sont au Tchad. Ce que je dis, ils regardent mes vidéos ici. Et pour certains, ce sont des personnes qu'on ne s'est jamais vues même. Donc, ils peuvent même aller commenter. Ce sont des jeunes Tchadiens, je les ai dit, écoutez. Vous pouvez aller au grand marché de N'Djamena, à la porte nord. Il y a beaucoup de friperies. Les gens qui amènent des friperies, ils amènent beaucoup de friperies comme ça. Si vous avez un peu d'argent, tant mieux. Mais si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez discuter avec eux. C'est juste une question de confiance. Vous dites, ok, si je peux faire les photos de vos habits là, et puis moi, je peux venir vendre ça par des campagnes publicitaires sur Facebook. Il y a beaucoup qui ont commencé à vendre des costumes. C'est-à-dire que moi, ce que je vous dis,
Il y a également des jeunes comme ça au Burkina. La même chose, je les ai dit de faire, ils ont fait, ils ont gagné de l'argent avec ça. C'est-à-dire quoi? Vous n'êtes pas obligé d'avoir un produit, mais allez-y, trouvez les 17% qui produisent sans savoir vendre. Ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup. La plupart de ceux qui produisent ne peuvent pas vendre. Les amis, je vous dis la vérité, dans presque tous les domaines. Quand vous prenez même le domaine de l'agriculture, oui, quand vous prenez un domaine comme le domaine de l'agriculture, beaucoup sont dans l'agriculture, ils produisent des pommes de terre, produisent des tomates, mais ça pourrit. Il y a beaucoup de pommes de terre qui pourrissent. Il y a beaucoup de tomates qui pourrissent. Pourquoi? Parce que les gens ne savent pas écouler. Vous, sauf que pour l'agriculture, c'est un peu compliqué, je vous l'admets, parce que c'est du transport. Ce business est basé beaucoup plus sur du transport. Donc, ça, avec 0 franc, même si avec le transport, ça devient un peu cher. Mais tout ce qui est habillement, vous pouvez le faire avec 0 franc. Deuxième, c'est tout simplement les produits de santé et de bien-être. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui font du marketing des réseaux en Afrique. Ces entreprises-là ont des produits. Et pour certains, vous pouvez commencer avec 0 franc. Vous pouvez juste vous inscrire gratuitement en ligne. Et à partir de ce ID gratuit-là, vous pouvez commencer à vendre des produits. Voilà des compétences que si vous avez telles que le marketing digital, rien que ça, marketing digital, vente, leadership. Ces compétences-là, si vous avez, vous pouvez aider beaucoup d'entreprises à vendre leurs produits. Et vous, peut-être que vous allez même gagner mieux que eux. Parce que ce sont des choses concrètes et pratiques. Les amis, voici 2 business qu'avec très peu d'argent, habillement, produits de santé et de bien-être. Ces 2 produits-là, je vous assure, vous pouvez commercialiser ça sans les posséder et avec pas d'argent. Ce qu'il vous faut, bien sûr, je sais qu'il vous faut de la connaissance parce que c'est le plus important dans ces business, mais pas les produits. Le plus important, c'est ce que vous connaissez, c'est pas les produits, c'est ce que vous connaissez. Donc, voici les 2 premiers. Les 2 derniers, ce sont des services. Les services, les amis, je vais vous dire une chose. Vous pouvez vendre des services que vous ne possédez pas. Et ça, je vais être très direct avec vous. Je l'ai déjà présenté une fois ici. La plupart des entreprises qui vendent de logiciels ont du mal à faire accepter leurs solutions. Donc, toutes les entreprises de logiciels que je connais, ceux qui fabriquent des logiciels, des applications, je vous assure, logiciels, applications, sites internet, ainsi de suite là, je vous assure que ces gars-là ont le... C'est-à-dire qu'ils ont pris du temps pour coder, pour faire tout, mais ils ne peuvent pas vendre. Je vous assure. C'est hallucinant quand je me rends compte que beaucoup d'entreprises peuvent mettre sur pied un produit, un logiciel, ainsi de suite. Mais vendre devient difficile. Vous, si vous développez ça, je vous assure, c'est tout un business qui est là-bas. Je vous recommande vivement les logiciels qui marchent actuellement le plus, c'est les logiciels de comptabilité. Parce qu'il y a de plus en plus des jeunes entreprises qui n'ont pas d'argent pour payer un comptable, ainsi de suite. Donc, un logiciel de comptabilité dont le gars il va payer 5 000 ou 10 000 par mois pour faire sa comptabilité, délivrer les factures automatiques, gérer certaines choses. 5 000 par mois, vous avez juste une commission, peut-être 30%, la moyenne c'est 30 à 40%. Et c'est tout. Rien que ça, si vous savez démarcher grâce à Internet, je dis bien grâce à Internet, toujours, c'est pas que quand je dis démarcher, c'est pas démarcher, aller de porte en porte, non. La plupart des entreprises qui se respectent sont aujourd'hui sur Internet. Donc, vous pouvez démarcher, même, c'est-à-dire que vous pouvez faire du B2B. C'est pas ce que j'étais en train de dire avant, c'était du B2C. C'est-à-dire que vous partez de business, donc des entreprises aux consommateurs. Donc, c'est-à-dire que vous partez des business et vous venez vers les consommateurs. Mais ce que je suis en train de dire au niveau des produits comme les logiciels, les applications, c'est du B2B parce qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui sont sur les réseaux sociaux, donc du business à business. Donc, vous prenez une autre entreprise, vous faites l'intermédiaire avec une autre entreprise, B2B. En fait, voici un business. Surtout, tout ce qui est logiciel de facturation, en tout cas, les logiciels complets. Pour ceux qui sont intéressés par ça, je vais refaire une autre vidéo spéciale parce que des jeunes de mon équipe vendent beaucoup ça. Si vous également, ça vous intéresse, je vais refaire une autre vidéo beaucoup plus détaillée parce que les gens m'ont demandé, Justin, dans ton équipe,
quel est le... Parce que moi, je vous dis, que ce soit habillement, produits santé, bien-être, ou bien même les produits digitaux tels que les logiciels, les applications, je ne donne pas les noms de mes partenaires ici. Il y a certains, la dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a demandé, Justin, alors quand tu parles des logiciels, c'est quel logiciel? Je vais faire une vidéo prochainement. D'ailleurs, je suis en train de traiter un partenariat avec cette entreprise qui met sur pied les logiciels, tout ce qui est comptabilité, facturation, ainsi de suite. Si on tombe d'accord sur le partenariat, je viendrai ici faire une vidéo complète pour vous expliquer le logiciel, comment ça fonctionne. Vous allez voir que vous-même, en tant qu'entrepreneur, vous avez besoin de ça. Et le fait de recommander aux autres, ou bien le fait de venir sur Facebook et chercher d'autres entreprises qui peuvent être intéressés par ces logiciels-là. C'est tout. C'est de l'argent comme ça. Donc, vous n'avez pas besoin de posséder un produit. Quatrième et dernier business, ce sont des microservices. Aujourd'hui, je vous assure, des personnes comme moi, comme beaucoup d'entreprises, ont besoin des personnes qui vont leur faire des microservices, tels que gérer leur page Facebook, faire des campagnes publicitaires ou bien faire des affiches. Voilà, ces petites choses-là, le community management, ces outils-là, si vous maîtrisez, les amis, ce sont des services dont beaucoup de personnes ont besoin. Je vais m'arrêter ici pour ne pas être long, mais voici quatre business dont vous avez vu que vous n'avez pas besoin d'argent pour commencer. C'est-à-dire qu'on commence avec zéro franc, donc c'est l'argent, mais on ne commence pas avec zéro connaissance. Vous voyez la différence. Donc les amis, pour toutes les personnes qui veulent me rencontrer à Dubaï le 28 décembre, à Dakar le 21 septembre ou bien à Bamako le 27 juillet, écrivez votre nom et votre destination en commentaire et tentez de gagner un déplacement tout frais payé pour venir assister à mes conférences. Tout le séjour, le billet d'avion, le séjour, le visa et tout, je gère. D'ici là, portez-vous bien, au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao.